Et donc, bonjour à tous, ici Cosmorev, et on se retrouve pour ce nouveau Let's Play sur Rayman HD. Donc, ce jeu édité par Ubisoft, créé par Ubisoft de toute façon, mais ce jeu est juste génial. J'ai joué à la version qui était sur GameCube et sur PC, mais je n'ai jamais joué à la version qui était HD, donc qui est exclusif au dématérialisé de la PS3, voilà. Et donc là nous allons pouvoir commencer cette aventure qui est juste géniale avec beaucoup de textes marrants, beaucoup de trucs assez comiques. Enfin c'est vraiment très très marrant, les méchants faut même pas les prendre au sérieux, ils ont l'air vraiment gentils mais ils sont aussi méchants. Mais bon, c'est vraiment, il y a plein de petits trucs vraiment marrants qui sont vraiment pas mal. Donc voilà, on va commencer une nouvelle partie. Donc vous vous doutez bien que je m'appelle Cosmo. Donc voilà. Je vous laisse avec la cinématique et on se dit à tout de suite tout le monde. Et donc voilà, on va pouvoir se retrouver sur le jeu. Donc voilà, c'est parti, allez. Avec plein de textes comiques, comme je vous l'ai dit, ça va être vraiment marrant, moi j'aime bien. Voilà, 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 monsieur dame, fin de la cinématique. Maintenant, c'est à toi de jouer. Ah, merde. Attends, on va récupérer d'abord les lunettes rouges. Attends. Qu'est-ce que tu fous ? Les trucs rouges, ça s'appelle des bonus, et faut que tu les prennes. Oui, bon, ouais. Allez, on y retourne. Et cette fois, essaye d'être un peu moins grotesque. Merde. Ah, ça commence mal. Oh. T'as jamais joué à un jeu vidéo ou quoi? Mais si, j'ai déjà joué à un jeu vidéo, j'en joue tout le temps. C'est bon, je vais réussir. Attends. Faut que je mette le plus sur la gauche, c'est tout. Bah tu vois quand tu veux. Merci. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Pour l'instant, y'a rien. Oh non, voilà notre tête d'endive. Les têtes d'endive. C'est pas vrai, y'en a partout. Ah, y'en a partout. Bah voilà des méchants originaux. Bah des méchants avec un truc comme ça, oui, c'est original. Alors, on attrape les machins rouges, d'accord. D'accord. Génial. Ah non, on a pas terminé. Je croyais qu'on avait fini. On va pas tourner en rond pendant des heures. C'est à toi à choper une crise d'épilepsie. Ah, mais à chaque fois je rate. Ça m'énerve. Bon, oh. Ok, t'as pas été trop mauvais. Pour la peine, je vais t'offrir ton premier saut en parachute. Sans parachute.
Ah, trop bien. Trop bien. J'adore. J'adore. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir cette fois? Alors, qu'est-ce que nous allons avoir cette fois? Voilà! Comment ça va, la saucisse? Wow. Hep, je déconne! Tu es vraiment trop bonne comme ça, tu sais! D'ailleurs, c'est quand que t'enlèves le bas? Non, le prends pas comme ça! Tiens, regarde ce que j'ai trouvé! Le manuel! Il y a tout là-dedans! Si on lit l'histoire, on trouvera comment te tirer de là! Alors, il était une fois les lumes, c'est l'harmonie, l'amour, la paix. Tu parles d'un scénario? Soudain, le drame! André transforme les lumes rouges en hoodlums! Le monde est en danger! Ah, voilà! Là, ils disent que c'est Globox qui est parti avec tes mains! Ouais, trouillard comme il a dû se planquer quelque part. Ah, ça? Ça va pas être évident de lui mettre la main dessus! Surtout pour toi! Hop, hop, hop! Au fait, j'ai oublié de te dire! Chacune de tes actions te rapporte des points! Tiens, regarde le compteur! Je vais te montrer. Pousse-toi, ma poule. Lorsque tu marques des points, le panneau s'abaisse et tu passes en mode combo. C'est là que ça devient génial! Parce qu'en mode combo, tes actions valent beaucoup plus! Seulement, faut pas traîner! Parce que le mode combo finit par disparaître si tu marques plus de points! Ah, dernier truc. Les points permettent d'acheter des niveaux cachés. Alors, essaye de faire le meilleur score, c'est pas le plus facile. Bon, le manuel a pas l'air terrible, mais en cherchant bien, on devrait trouver deux ou trois trucs utiles. Tiens, là, ils disent que pour sauter, il faut utiliser la touche de saut, sans blague. Voilà une info. Et là, ils disent que pour frapper, il faut presser la touche de tir. Bravo. C'est bon. Non, sérieux, il y a vraiment des types qui sont payés pour écrire ça. Oui, malheureusement, Ubisoft. C'est Ubisoft qui a écrit le scénario, hein, c'est pas moi. Ah putain, énorme. Énorme. Ah merde. Ah, dommage. Bon, on va aller voir ce qu'il y a par ici. Oh, ok. Hein? Je mettrai tout ça en maison de correction. Pour autant, ce serait jamais permis. Bah t'aimes pas. Tu devrais être content que tu te fasses botter le cul par le héros. Alors, ah ça fait longtemps ce jeu quand même. Ce jeu ça fait trop longtemps. C'est... Perso je trouve ce jeu magnifique. Je sais pas pour vous mais... Ah je suis tellement content d'y jouer. Ça fait plaisir. De jouer à, avec... avec des jeux qui m'ont bercé pendant toute mon enfance. Ouais ça fait vraiment plaisir. Enfin voilà quoi, c'est génial. C'est juste génial. Par contre là je crois que je suis déjà allé, il n'y a rien du tout, donc voilà. Donc on va passer par ici. Ah tiens, regarde. Les coquins. Il y avait des trucs planqués ici. Petit coquin. Et là. Non, il n'y a rien. Ok, on peut pas se démarrer là. Et on va aller voir ce que nous avons par ici. Hop. Hop. Okay. T'es vraiment le meilleur. Oui, je sais, je suis le meilleur, oui. Bon, c'est vrai, il a pas dit Cosmo, c'était le meilleur. Mais bon, c'est pas grave. Tiens. Quoi? T'as dit quoi comme connerie? T'as pas honte? Y'a que moi qui ai le droit de dire des conneries. Alors, y'a quoi par là? Oh! Ah ouais, là, va pas falloir se louper, là. Ah oui, merde, j'ai pas de main. Jeu de main. Jeu de... Bilin. Hop. Attends, trop mort de rire. Voilà. Tu peux faire de l'hélico avec tes cheveux. L'hélico avec tes cheveux, ils ont fumé ou quoi? Bah oui, je te dis, c'est Ubisoft. Merci, je te remercie. Ah, ça fait vraiment plaisir que ce super personnage Murphy mette dans le commentary, c'est vraiment génial. Ça fait plaisir. Globox! Globox! Oui, il arrive. Oh, tu vas répondre? Il va répondre, t'inquiète. Mais plus tard, mon ami. Alors. Globox! Globox! Au pied! Au pied, connard! Limite, c'est son chien, quoi. Globox, ramène ton cul! Ah putain. Murphy, je t'adore. T'es vraiment le roi des connards. T'as aucun respect. Alors on a quoi par là? Ici.
Oh. Regarde, le concile des fées. Si tu veux draguer, je te déconseille l'endroit. C'est rempli de vieilles filles complètement vieilles. Alors, bouge la caméra, elle a du joystick gauche. Ok. Êtes-vous sûr? Non. Non. Ah, d'accord. Puis, prends la photo en appuyant sur X. Ah, d'accord, j'étais en mode photo. Oh, mais ce manuel est vraiment épatant! Il explique que les interrupteurs servent à déclencher... des mécanismes! Non, mais franchement, qui a écrit cette... Oh putain, mais sérieux, Murphy, arrête de critiquer le jeu. Critique pas Ubisoft, enfoiré. Ubisoft a fait un très bon jeu, et toi tu le dénigres. Oh, tiens, une bouteille. Qu'est-ce que c'est? Y'a quelqu'un? Attends, j'arrive. Mais c'est la bonne Globax. Laissez-moi tranquille. Partez. D'abord, je suis en visite. Vous ne voyez pas? Je ne pas là. Non. Ne touchez pas à mon tonneau. Change pas de... Tiens. Voilà. Oh, dites, on peut faire ça à trois. Mes mains. Et voilà. Ah, enfin, je suis de nouveau entier. En début de jeu, moi je dis que ça cache quelque chose. Oh la musique. Oh la musique. La musique. Oh la musique. Mmh, ah, c'est bon. Je vous laisse vous faire bercer par cette musique. Attendez, je vous mets du son. Je vous mets du son, perso, j'ai envie d'écouter cette musique. Attendez. Écoutez-la. Oh putain, elle est trop belle. Oh là 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 là. Ah, par contre, y a pas de rubis. Oh là là. Étoile. Bonjour la nature, petite fleur, comment t'appelles-tu? Rose, oh, c'est global. Ta gueule. On est pas bien là? Oh là, cette musique, vraiment. C'est bon? Ok. Je crois que j'ai tué cette fois. Ouh, joli tortier. Tu me fais une petite place dans ta carapace? En gros, le box. Tu passes l'aspirateur? Je passe l'aspirateur, mais oui, c'est ça. Oh, Rayman, t'allumes la lumière. C'est beau. C'est beau, hein? Eh ben tiens, qu'est-ce que je disais? Revoilà les méchants! Voilà! Et tu veux dire aux méchants? Ils attaquent le concile des fées! Respecte ton texte, bon sang! Après Rayman 2, on m'avait promis un rôle d'artiste tourmenté qui trouvait l'amour avec une fille très intelligente, oui, voilà. Bilan! Je me retrouve à faire la mouche dans une série d'aigles. Mais il est vraiment con celui-là, vraiment. T'avais qu'à pas venir dans Rayman 3, hein, faire chier. Hein. Déjà que tu respectes même pas ton texte, alors... Et donc le score du niveau 85% quand même, c'est pas mal. Nouveau niveau bonus gagné. Cool. Alors ensuite... Où allons-nous arriver? Pas une seconde à perdre! Nous devons rattraper André avant qu'il ne touche le cœur du monde. Bien sûr. Ça va de soi. Ah là, ça fait trop plaisir de rejouer ce jeu. Oh, mais ce jeu est juste... Hey, regarde, non, quoi? Un interrupteur, à tous les coups, il actionne un mécanisme. C'est bien. Tiens, j'ai cru entendre un truc. Ouais, j'ai entendu un truc. Ah.
Ouais, c'est vrai. Hop. Ok. Là, c'est bon, il y a plus rien. Ok, il va falloir que je m'habitue un peu avec les touches. La force grandit chez André. Prenne encore et il racontera partout qu'il est ton père. Oh non, c'est pas Dark Vador. C'est pas Dark Vador. Oh, Rayman, fantastique. Sans toi, tu n'y serais jamais arrivé tout seul. Attends. Comment? Pour observer les lieux, presse. D'accord. Ok, donc ça, ça donne quand même du combo. Par contre, moi, je suis tombé, donc c'est pas juste, hein. Attends, je remonte ma poule. Allez, on remonte. Go, 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 go. Allez, 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 allez. Voilà. Là, il y a plein de bonus. Ici, il y a de quoi faire. Je suis pas devant, mais j'ai comme l'impression qu'elle contient quelque chose. Non, sans deck. Si André triomphe, il pondra Globox et il t'obligera à jouer de l'harmonica. Les mots me manquent. Extraordinaire. Extraordinaire. Anticonstitutionnellement extraordinaire. N'importe quoi. En brisant les tirelires, tu as ouvert la porte. Cet endroit est vraiment trop magique. La porte. Waouh, comme si c'était magique. Sérieux. Le manuel dit que tu peux lancer tes poids sur le côté. L'auteur insiste. Ça doit être important. Tu peux pas la fermer un peu? Bah t'as plus qu'à remonter. Oui bah c'est bon. En tout cas, moi je comprends mieux pourquoi les fées ne sortent pas en boîte. Hein? Rentre au concile à 5h du mat avec un petit coup dans le nez, c'est sûr que ça doit pas être facile. Non. Ah ouais c'est ça. Et ta sœur, ouais. On s'en fout. Bon on fait comment? Maintiens la touche R2 enfoncée. Il est passé sur le côté. Ok. Hop. D'accord. Vas-y Rayman et... Ah, excuse-moi, on parle dans l'oreillette. C'est M. Ubisoft. Il s'excuse au nom de toute l'équipe pour cet entraînement. Je cite, pas très fun. Oh, tu vois, c'est génial. Tu dois t'appliquer, car les tirs de côté te permettront de battre les Hoodlums. André est là. Vite, tire-lui dessus, je vais pas tenir longtemps. C'est lui, André. André, tu pues. Voilà. Écoute ça, le nain jaune. Une fois que j'aurai transformé l'énergie du cœur en Hoodlums, je reviendrai m'occuper de toi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Wow, la lessive laser qui transforme vos vêtements en tenue de combat. Tenue de combat? Mais c'est exactement ce qu'il nous faut. Ah non, Rayman, ça appartient aux Hoodlums. C'est peut-être dangereux. Attends, laisse-moi le mettre. La lessive laser. Allez, vas-y. Allez. Feignasse. Super héros. Ah, ça... Trop la honte. T'as plus qu'à essayer de voir comment ça marche. Ça, ce qui est bien avec les tenues comme ça, c'est qu'ils vous confèrent des pouvoirs, donc grappin, ou plein de trucs, enfin plein de techniques, vraiment pas mal. Donc vraiment sympa. Mais par contre, il y a un temps limité, donc... Par rapport à certains jeux, là il y a un temps limité pour les utiliser quoi. Donc là c'est le point tornade donc qui vous permet justement de dévisser, décapsuler même des objets comme ça. Oui bah attends. T'en fais trop ? Oui t'en fais trop. Laisse-moi venir déjà, tranquille. Tranquille pépère, hein, on est là, on est bien, on est bien. Voilà. Perso ça fait plaisir. Voilà, bon, on l'a réussi à 37%, mais bon, que voulez-vous? Ok. Alors. André se rapproche du cœur du monde. Oui, c'est bon. Waouh. Oh, la musique. Oh. Oh. Ah. Voilà. Je sais, c'est la deuxième fois que tu me le dis. Toi aussi, t'arrêtes pas de me dire toujours les mêmes choses, hein. Vas-y, cours. Hop, on envoie le point. Point fulgurant. Voilà. Trop fort. Et maintenant, sans les mains. Je déconne,
Oui. Attends, laisse-moi tomber. Vas-y, on va aller voir ce qu'il y a de ce côté. Il doit y avoir un truc. Ah ah! Comme quoi. Ah non! Ah, tombé! C'est pas grave, on va recommencer. Ah, vraiment, le jeu, il est magnifique. Hein. Moi, perso, le jeu, je le trouve magnifique. Hein. Je sais pas pour vous, mais là, c'est décor. Et encore, c'est que le premier monde. Hein. Attendez, attendez d'être arrivé à la suite. Hein. Sincèrement, ça risque d'être encore plus beau. Hein. Vu les mondes, quand même. Vu les mondes qu'il y a dans ce jeu. Mon préféré, moi, personnellement, dans le jeu, c'est le sommet d'Outre-Noé. Le décor de montagne, la course des neiges contre Globox. Bon, ça, pour ceux qui ne connaissent pas, vous le verrez plus tard. Mais en tout cas, ce jeu est vraiment génialissime. Pour ceux qui ne connaissent pas Rayman 3, moi, je vous le conseille parce que Rayman 3, putain, pour moi, c'est le meilleur des 3 de la trilogie des Rayman. Pour moi, c'est le meilleur des Rayman. Il est vraiment super, il a des décors riches, des décors vraiment très très beaux. Enfin, excellent jeu. Et puis, il est magnifique, quoi. Ah non, merde, j'aurais dû attendre. Bah oui, parce que ça, il donne aussi des bonus. Ça, fallait marcher tout doucement, s'approcher d'eux. Parce que ce sont des personnages très timides, en fait. Mais bon. C'est vrai que ça m'aurait bien augmenté mon score, quoi. Et puis les scores vous permettent de débloquer des mini-jeux. Donc ça aussi c'est génial. Donc n'hésitez pas à faire justement beaucoup de... un maximum de scores. Donc les combos et tous les petits monstres à trouver à avoir. Voilà, n'hésitez pas à faire un maximum de combos pour débloquer ces mini-jeux. Très important parce que ces mini-jeux sont très très fun. Perso je les trouve très très fun. Alors... Va voir chez Zelda si j'y suis. N'importe quoi, vraiment. Hey, l'immonde entrée s'est cachée dans le métro de la paroi. Rayman, trouve-le. Va voir chez Zelda si j'y suis. Oh là là, et j'adore, perso j'adore. Examine bien partout. Oh mais c'est pas vrai, alors quoi, c'est pas bientôt fini, seras-tu? Ouais, c'est toi. Ah, j'adore. Le comique dans ce jeu est juste génial. Trouvez. Le laisse pas s'échapper. C'est toi, Mario Deal. La ferme, toi. Pire du monde. Je le sens, il est par là. Oh là. Là la musique, c'est une musique de fin du monde quoi. À la limite. C'est la fin. C'est la fin. Meurs Satan. Cassez-vous. Aïe. Hop. Ah mais moi je voulais Voilà. Tac. Parfait. Pousse-toi ma poule. Ah mais non, à chaque fois j'appuie sur l'appareil photo. Je sais pas pourquoi mais je crois que je vais faire cette erreur plusieurs fois en fait. Je sais pas pourquoi. Hop. 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 Et là là. Ok. Dit qu'on peut monter par ici. Ok. Je serais toi, je poserais ma démission et j'irai illico auditionner pour Spider-Man 2. Non. Tu te ferais un max de thunes et personne te prendrait plus pour un lapin. Mon lapin. Bah non. Parce que Spider-Man 2 a déjà été fait. Fallait avoir l'idée avant. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons par là? Ah merde. J'avais oublié que... Bon. Que cet escalier allait s'effondrer. Oh, il se rapproche des cœurs. Oui, bah attends. Les énergies se déchirent. L'harmonie du monde va se briser. Wow.
crève. Ok. Ok. Y a-t-il encore des rubis? Des roupies! Ah, là-bas, il y en a plein. Sauf que nous, on y va à la yellow. Hein? Allez. 2, 3, 4, 5. Ah non! Ouais, oh dommage. J'aurais voulu effectuer un combo, mais. J'aurais vraiment voulu effectuer un combo, mais bon. J'en ai pas la possibilité, donc c'est nul. C'est nul! Pourquoi on peut pas faire des combos? Hein? Pourquoi on peut pas? Et j'ai tué. Oh, tiens, il y a un bout de fleur là-bas. On va marcher tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Faut marcher tout doucement pour essayer de les avoir, ça. Ils sont timides. Tout doucement. 250, voilà. Vous voyez quand même un combo de 250 quand vous vous approchez très très près d'eux. Donc ça aussi c'est à ne pas lésiner justement. Quand vous avez l'occasion de réagir sur ces combos là, n'hésitez pas à faire ces combos là, c'est très impressionnant. Ça donne quand même pas mal de points. Voilà, donc n'hésitez pas à faire ça. Donc là on va récupérer les roupies qui se trouvent ici. Parfait. On continue à augmenter notre jauge de combos, donc très intéressant. On va monter. Allez, maintenant on va pouvoir monter et continuer un petit peu, donc en espérant que l'autre Murphy ne nous casse pas les pieds en disant c'est la fin du monde. Hein! Voilà, on va faire le tour comme des grands. Entrez, ne laisse surtout pas entrer. Rattrape-le vite. Oui. Hey, Raymond, je suis là. Là 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 là. Ça lui fait peur. Ok. On va pouvoir avancer. On fait des roulades, hein, des galipettes. Et voilà. 46%. Le prochain niveau dans 3413, brun. Sauvegarde. André, mais où est André? Allons demander au moine. Ah. Le la discothèque. C'est là que toutes les énergies du monde sont concentrées. Apparemment, André y a pas touché. C'est bizarre. Vous avez pas vu André? Wow. Voilà. D'accord. Rayman, Globox est ton ami. Alors, emmène-le auprès du guérisseur de la forêt. Je le connais. Il saura comment éliminer André. D'accord. Bon, bah, on va faire ça, mon ami. Sauf que d'abord, on va lui. Fais gaffe, ah. André est un lynx noir. Et les lynx noirs. Ils sont des pervers. Il va sûrement refiler de sales habitudes à Globox. Bon allez, on se revoit dans Rayman 4. Si un jour ça sort. Sauf que Rayman 4 n'est jamais sorti. C'était Lapin Crétin. Et oui. Alors, si on se part par là, on se casse. Et c'est pas du tout là où on doit aller. On va voir s'il y a des jauges de bonus ici. Vous pensez qu'il n'y en a pas des jauges de bonus? Et pourtant, il y en a. Regardez. Ça. Ça. Ça, 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 ça s'appelle un nid de bonus. Bon, là y'a rien, d'accord. C'est pas là qu'on doit aller. Y'a un bouton. En fait, non, c'est de l'autre côté. Je me dis, je suis en train de me planter. Donc non, je c'est de l'autre côté, donc par là, regardez. Donc, mais non, mais accroche-toi, débile. Voilà, c'est de ce côté.
Voilà. On ouvre la porte, et là... Ouais. Mystère. Nous avons trouvé... une porte. On descend, et là on remporte des gros bonus. Vous voyez, ça, c'est ce que j'appelle un bonus de malade. Ça, c'est du bonus de ouf. Ça, tu vois, ça donne. C'est sûr que j'aurai un nouveau mini-jeu à la fin de la, à la fin du truc, hein, c'est sûr. Donc, le score du niveau 100%. Et un nouveau niveau bonus gagné. Donc, parce qu'on a fait un gros score. Donc, n'hésitez pas à faire des scores de ouf. C'est un certain nombre de points qui vous donnera ça. Allez, on passe à un nouveau gameplay. C'est parti. Voilà. Wow. Ah, les skateboards. Ah là là. Ça, c'est l'occasion de faire du bonus. Allez. Voilà. Alors. Allez. Tain. Tain, 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 tain. Tain, tain. Tain, 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 tain. Oh là là. Ah non. Je suis tombé. Ah non. Par contre, faire attention parce que ça vous baisse la jauge de score. Hein. C'est horrible. Bon, heureusement, vous ne perdez qu'à point. Mais bon. Non. J'ai pas compris, en fait. Ah, peut-être que si je passe par là, ce sera plus simple. En effet. Non, mais pourquoi je fais ça, moi? Ok. Non. Ah. Ok. Bien. Pour l'instant, ça va. Mais non, mais... Ah, je fais toujours cette erreur. Cette erreur de débutant, là. Bon, c'est pas grave. Tu vois, des fois je tombe sur le même piège en fait. Tu vois, ah, j'avais aucune chance. J'avais aucune chance. D'accord, je croyais que j'avais mes chances, mais non. Oh là là. Voilà. Mais c'est parfait ça. Voilà. Ah merde. Ah, ça va. On recommence pas à zéro. On augmente sa jauge de combo. Ah là. Merde. Je suis tombé. Ah, cette musique. Ah, la musique. Ah non, j'aurais voulu aller par là. Dommage. Je suis deg. Ok, maintenant je sais que sur la droite, tu vois, on peut récupérer tous les combos possibles, hein, ça c'est génial. Faut pas avoir peur de... Ah ! De bouger ! En rythme. Voilà ! Ça, c'est du combo de récupérer. Non ! Ah, ça va. Ok. On récupère les combos. Non ! J'aurais voulu récupérer ces dommages, pense pas grave. Allez, allez, allez. Ok. C'est bien, on est bien parti. Non, dommage. C'est pas grave. On peut y arriver, hein. De toute façon c'est pas difficile, hein. C'est juste une question d'entraînement. C'est pas horrible. Par contre, vous perdez énormément de combos, donc essayez quand même de ne pas crever. C'est quand même la base, hein. Si vous crevez, vous perdez du score, et si vous perdez du score, vous n'aurez pas de nouveau niveau. Parce qu'il faut atteindre un certain nombre à chaque fois, donc c'est pas le même. C'est le score qui grandit de plus en plus qui vous fait un plus gros score au final. Mais voilà. Ok. Et là.
Et là, le jeu final. Et là, ça vous donne un combo de malade. Donc, le combo final. Et voilà, le prochain niveau dans 339 points. Ah, ça fait vraiment plaisir, hein. Jouer à ce jeu, ça fait plaisir. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. J'ai ma petite larme à l'œil. Trop beau. Bah, c'est qu'à retirer la jolie musique. J'espère que j'ai rien cassé. Musique, où es-tu? La ferme, et sors-moi de là. J'ai soif. Rayman, faut vite que j'aille me faire soigner. Oui, j'imagine. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si elle vous a plu. Et on se donne rendez-vous pour un prochain épisode. Donc, salut tout le monde!